Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de cette série de science-fiction et d'action Capsized. Et on se retrouve devant notre nouveau niveau chasme. C'est parti, nous allons réchapper. Nous allons sauver nos teammates, nos équipiers crewmates, nos équipiers capturés dans ce niveau. Allez, c'est parti. Alors, quelle surprise nous réserve ce niveau? Qu'est-ce qu'on va avoir comme arme? Oh, j'aime pas, c'est très long à... Voilà, on peut pas spammer le clic, c'est très très long. Allez, on va y aller, tranquillou. On va essayer de rien oublier cette fois-ci. De pas rester coincé. Oh, ça tire de loin, ça. Hop! Et on a cassé ça. Ça, on va récupérer cette arme-là. Nanoboots Power. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le truc qui m'entoure, d'accord. Oh, 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 oh. Oh non! Vous avez vu, il y a un de mes coéquipiers là qui a eu. Qui a été pendu là ou qui a accroché. Comment on fait pour. Ah, j'avais pas vu ce truc collé au. Est-ce qu'il est encore vivant ou est-ce qu'il est mort? En tout cas, vu le nombre d'ennemis autour, à mon avis. Une petite vie. Hop, je vais sauter dessus comme ça. Il est mort direct. Oula, et moi je prends cher. On va chercher un peu tout de suite de la vie là. Oh oh oh, vous l'avez vu comme on est mal là? Heureusement qu'ils sont coincés en haut. Oh, doucement. On se calme. On se calme, on se calme, on se calme. Oh, je suis trop mal. Hop, alors. Ah mais faut que je l'emmène où? Où est-ce que je dois l'emmener? La sortie, c'est par là. Ah, c'est là la sortie. Ok, j'en ai chopé un. Il en reste trois. Enfin, il en reste deux, il y en a trois. Et on est complètement dans la combinaison tachée de sang. On va choper de la vie un peu. Et on va se le faire tranquillou. Sans qu'il nous touche si possible. Voilà. On va chercher toute la vie parce que... Ah, vous sentez comme ça fait du bien. On reprend ma petite arme préférée, là, celle qu'on peut spammer. Ouais, il y a un petit côté angoissé dans le spam, mais... Allez, viens là, toi, le rocher. Non. Allez, allez, on peut le faire. On peut le faire. Voilà. Non, c'est pas toi que je... C'est toi que je veux accrocher. Vas-y, viens là. Allez. Oh là là. Faut peut-être passer par en dessous. Bah écoutez, on reviendra, on passera par en dessous. Ah, il y a un bim. Ah, il va peut-être falloir qu'on s'en serve. Enfin, un bim, j'appelle ça un bim, mais il y a un gros truc là. Alors. Je me rappelle qu'ici, c'est un peu... Les chauffourées. Ah, il y a un de nos coéquipiers là. Je sais pas où il y a un passage secret pour aller là. Hein. Peut-être là. Ah, j'ai trouvé. Ah, ça c'est cool. On a l'antigravité. Allez, on en profite, on va choper notre copain et on va l'amener tout de suite. Non? Ah, il est mort, lui, merde. Ah, lui, on peut pas le sauver. C'est dommage. Hop, des munitions, tout à fait bien. Je suis où? Ah, je suis mort! Oh, merde! Oh, c'est notre première mort, les copains, j'ai même pas vu. Oh... Ils font mal, hein. Ils font très très mal. Bon, faut faire gaffe. Faut faire très très gaffe. Première mort. Oh, je pensais... Bon, une petite vie, c'est pas... On est loin d'avoir game over, mais... Je pensais qu'on s'en sortirait sans avoir de mort, mais non. Ce jeu est impitoyable. Mon arme est aussi impitoyable. Putain, je m'y attendais pas à ce gros truc qui m'est tombé dessus.
Aïe 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 aïe. On prend cher. On prend cher. Puis là c'est vraiment que des petites plateformes là, on peut pas avancer tranquillou. J'aime bien cette arme. On va aller se faire ceux qui sont au-dessus là. Oh mais il y a tout un zoo là. Je sais pas quelle idée on a eu venir en orbite autour de cette planète, mais sincèrement, c'était pas la meilleure idée du siècle. Bim. Alors on continue d'explorer tranquillou. Au moment où je dis tranquille, on est en BT. Pas mal les trucs à tête chercheuse quand même. Ouais ça c'est peut-être efficace aussi. Ah là il y a un corps là. On va pouvoir sauver un de nos... Qui m'a tiré dessus? J'ai plus de fuel. Oh j'ai récupéré du fuel. Bah oui parce que quand on se pose, on en récupère. Oh c'est efficace quand même ça. Allez, on le sauve. Allez, viens, poteau. Ah, j'ai pas pris tout ce qui était là. Ça me rappelle un vieux jeu que j'avais sur, sur NES. Ah, j'ai plus de fuel. On va faire une petite pause. Régène de fuel. Ce vieux jeu, c'était Solar Jetman. Pour ceux qui connaîtraient, c'est pas un jeu très connu, mais comment c'était le pied ce jeu, mais alors d'une difficulté extrême. Et c'est pareil, on avait un petit grappin et il fallait aller chercher des ressources pour redécoller de chaque planète. Je vous dis pas le gameplay avec le pad de la NES, là, avec sa croix directionnelle et ses deux pauvres boutons. Oh, c'était d'une difficulté extrême, mais c'était jouissif de réussir malgré cette difficulté, quoi. Bon là, les temps ont bien changé. Ah ouais, Solar Jetman, que de souvenirs. Et c'était à peu près le même sorte de monde. Avec plein de petits couloirs comme ça, des petites grottes, des plateformes, sauf qu'on avait un vaisseau spatial donc on se posait jamais. Mais... Ah non! Surveillez sa jauge de carburant les amis. Ça, il faut que j'arrête d'oublier de le faire. De la vie. Putain, comment ils descendent vite! Lâche-moi! Merci! On va reprendre le truc qui est pas très rapide mais qui donne un petit coup et puis s'en va. Ah! Je vais griller les cheveux! Voilà! Ouais, c'est pas mal ça, hein, on a que 25 tirs. Mais c'est assez puissant quand même. Ah, j'aime beaucoup ce petit jeu. Franchement, c'est. C'est tendu, mais ça passe quand même, un minimum. Allez, poussez-vous les machins. Ah, je suis coincé. Voilà, des munitions. Merci. Ça, c'était le passage qu'on pouvait pas atteindre tout à l'heure. Est-ce qu'on passe, là? Ah, on est un peu dans le caca, là, si on est coincé. Oui! Alléluia! On a réussi à sortir! Oh purée, comme on était mal. Ouh! Allez, on régène notre fuel. Et c'est parti! On va secourir les derniers qui restent. Je sais plus combien il en reste. Hop. Ça c'est fait. Avant de redescendre, on refuel. Voilà. Petite vie. Aïe. Si, c'était un truc à casser. Là, on arrive dans des zones où j'ai pas tout éradiqué. Il me semble pas. La vie, on la laisse pour plus tard. Une petite vie. Oh, il y a du bazar ici. Oh, il est mort, notre...
Il y en a pas mal qui sont morts quand même. Je sais pas combien il y avait de membres de d'équipage, mais. Ouais. On se barre un peu, on revient. Et on tire au bon endroit, c'est mieux quand même, les garçons. J'ai eu peur, parce que la dernière fois qu'on est tombé nez à nez avec un truc comme ça, on est mort. Allez! Non, c'est. On te chope et on remonte, garçon. Allez, on va te sauver. On régène. Et on y va. C'est génial. J'adore. Hop. On régène. Enfin, on refuel. Et on y va. Vraiment très sympa comme gameplay. Très sympa. Alors le gars, il est ballotté dans tous les sens. Hein. J'espère qu'il n'avait pas le mal de mer. Level complete. 12 minutes. Une mort. Ouais, ça, une mort. Un demi-secret. Wouhou. Super. Et 5 étoiles. Enfin, 4 étoiles et demie. Ok. Bah écoutez les amis, là comme j'étais un peu plus rapide que l'épisode d'avant, on a le temps de se faire la chasse. Le suivant. Le niveau suivant. Détruisez les poursuivants, je suppose. Ah, on est... Il y a tous mes potes là. Ils me donnent dès le départ des armes. J'ai pas de fuel. Pourquoi j'ai pas de fuel? Oh! Ah non, 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 non. Non, 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 non. Toi avec ta grosse boule verte là. Pourquoi j'ai pas de fuel? Where is my fuel? Hop. On va aller de l'autre côté là. Ah, anti-gravity power up. Oh mince, je l'avais pas vu lui. Mal, ils font mal avec leur truc là. Et moi aussi je fais mal. Ça durera pas éternellement mon anti-gravity là. Checkpack fuel, voilà. Oula, ça lance des trucs électriques ça. Oh, ça m'attire. Oh là, mais comment le bousille ce truc? Oh! Comment on va le bousiller lui? Ah, et toi là avec ta petite fléchette de merde là? Écoutez, on va reprendre un petit peu de vie. Oui, ça faudrait que ça se bouge, c'est tout. Comment ça j'ai évité l'autre ennemi? Oui, oui, je suis d'accord. Hop! Les bonus, hein. Ah, j'aime pas quand il y a les petits là. Les petits sont méchants. Du fuel. Et là, le fuel il se régénère pas. Donc faut que je fasse gaffe. Et là, il y a toujours le gars avec son truc électrique là. Si je comprends bien, faut que je lui balance un truc sur lui. Hein. Et il retire tout ce que je lui ai envoyé. Bah écoute, on va le laisser un petit moment. Donc à mon avis, il faudrait que je lui balance un bim ou un truc comme ça en fait. Enfin, les grosses boules là. Enfin, vous m'avez compris. Ah! Ça c'est fort ça. Et j'ai plus de fuel. Il n'y a plus de fuel! Oh, celui-là, on l'a bien négocié. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée de descendre comme ça, là. Il vaut mieux monter, je pense. Là, je suis revenu au point de départ. Donc là, je suis obligé de gérer avec le grappin. Oh non!
Ah purée, il envoie des trucs à tête chercheuse quoi. Ok. Est-ce que ça je peux lui envoyer dans la... Vous m'avez compris. Ah oui d'accord. Il est comme ça lui. Non, là, et là il faut que j'arrête en fait. Il faut que je me casse. Et non, c'était vers le haut qu'il fallait tirer. Et là peut-être que maintenant... Ah ! Non ! Cassons-nous ! Ah il m'attire ! C'est puissant. Purée. Oh, c'est d'une difficulté ça là ? Je sais même pas si j'arrive à le toucher en fait. Il me faut de la vie là. Où est-ce que j'ai laissé de la vie? J'ai tout pris en fait. Je n'avais pas laissé. J'en avais pas laissé les amis. Puis il y en a un deuxième en plus, il me semble. Et j'ai plus de fuel. Ah oh mince, je l'avais oublié lui. Non. Reste là. On est mal. On est très très mal. Non. Ah là, il y a de la vie. Oui, la vie. La vie, la vie. Ah. Pour ceux qui connaissent. Bon, comment on s'en débarrasse de cette merdasse là? Ah mais pourquoi j'arrive plus à monter là? On va descendre si on n'arrive pas à monter. Mais là je suis en train de prendre toute la vie, c'est peut-être pas. C'est peut-être pas très bon. Tu crois qu'on peut le détruire ça en fait? Ça se trouve on peut pas. Putain, il fait super mal. Ah non, il faut que je le détruise en fait. Hein. Oh oh! Faut que je trouve. Faut que... Ah, j'ai du fuel! Faut que je comprenne comment on fait en fait. Y a pas à dire. Sauf que là, je vais crever! Ah, les amis, on est mort! Deuxième mort! Bon, comment on va se les faire? Comment on va se les faire? Comment on va se les faire? On n'a pas de fuel. Et ils nous font chier. Je ne sais pas si on les touche quand on fait ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que quand ils ont leur bouclier... Putain, ils sont deux au même endroit! Et j'ai... Oh là! Oh là 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 là, ils ont des têtes chercheuses, quoi. Non mais sérieux? Sérieux, quoi. Et je vois rien, je vois pas de bim, je vois pas de... Fuel un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai le pulsar ou j'ai ma carabine, c'est tout quoi. Ah, j'essaye d'économiser mon fuel. Hein. Est-ce que je peux trouver d'autres armes plus puissantes? Là il y a un truc mais je sais pas comment y aller. C'est que du fuel, c'est pas une arme, je crois pas. Wow! Ah bah alors là, c'était l'ascenseur exprès. Je sais pas comment j'ai fait. Un peu de vie. Mais là, j'exploite mes dernières ressources, là. Et il y a toujours un ici ou il est décoincé? Alors lui, peut-être qu'il est plus facile à avoir. Que dalle. Et si j'essaie de l'attraper? Je peux pas, hein. Oh. Je vois vraiment pas. Et là je suis mort encore. Oh, c'est horrible. Il me reste plus que 3 vies. Oh, on va pas avoir un game over quand même les amis là.
Là, il y a quelque chose qui m'échappe là. Hein. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut balancer des cailloux? Pff, je suis nul pour balancer des cailloux, moi. Ils sont... Ça a rien fait, que dalle. Que dalle. Deux vies restantes. Nous sommes très très mal. Nous sommes très mal. Destroy. Ouais. Oui, on a réussi à en avoir un. D'accord. Bon, il suffit de leur tirer dessus quand ils ont pas leur bouclier. Purée, c'était simple en fait, mais trop simple en fait. Enfin, je sais pas, trop simple et compliqué à la fois. Vite de la vie. D'accord, donc il faut insister. Par contre, quand ils ont ça, il faut surtout pas leur tirer dessus. Parce qu'après, ils nous renvoient tout. Voilà. Putain, et cette falaise, elle m'agace. Là, il va refaire son petit bim, là. Viens là. Non. Et là, faut se barrer. Oui, on l'a eu. Purée. Et de deux. Il en reste trois à tuer. Il en reste un à tuer. Oh là 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 là. Que c'est dur. Que c'est dur, les amis. Ouh. Il est là. Non. Il va m'envoyer le gros truc de la mort qui tue que je lui ai moi-même envoyé. C'est bon. Je suis où? Je suis mort. Oh là 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 là. Une vie. Allez. Allez, on peut le faire, c'est la vie qu'il nous faut pour le tuer, là. Là, il y a du fuel. On va chercher un peu de fuel. Allez. Putain, c'est épique. Épique. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un Blatz machin. Ah, j'aime pas du tout, ici. Pour grimper, c'est horrible. Ah, je suis pas doué avec le grappin en fait. Non. On se casse. Oh, on est très mal. Et c'est d'une... Je suis en difficulté moyenne, hein. Je sais plus quoi faire, les amis, là. Si on le merde, je fais n'importe quoi. Si on le rencontre à nouveau, on va crever. Et il n'y a plus de vie nulle part. Oh là 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 là. On est très mal. Là, il y a une petite vie. Faudrait qu'on trouve... Ah, là-haut. Comment on fait, là? Il est où, le passage? Il est où, le passage, là? Purée. Il y a du fuel, en veux-tu, en voilà. C'est tendu. Et là, comment on y va, là? Comment est-ce qu'on peut... Il est juste là. Vas-y, monte. Encore un peu, tu peux le faire. Raté. J'ai encore plein de tirs.
Il est redescendu. Ah, le salaud. Oui! Comment on a fait? Oh là là là, c'est le niveau le plus difficile qu'on ait fait jusqu'à maintenant. On a perdu 4 morts. Oh là 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 là. Pouh! Et ben, épisode très 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 tendu. Mais alors que c'est jouissif de l'avoir dégommé! Allez, je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. À bientôt! Salut, salut!